c'est une vraie fiction, mais qui est basée sur beaucoup de choses réelles. La star, je me suis inspirée de la vie de Véronique Alec, mais c'est pas Véronique Alec du tout, enfin, y a plein de choses qui changent aussi. La journaliste, évidemment, je me suis inspirée de mon expérience du journalisme, aussi un peu pour certaines choses de ma vie, mais c'est pas moi non plus. Y a une scène où il y a Bret Easton Ellis, l'écrivain, c'est pas vraiment lui non plus, parce qu'en fait, tout mon livre tient sur le jeu entre réel et fiction, justement, donc c'est une bonne question, entre réel et fiction, parce que je voulais que ce roman ait l'atmosphère d'un rêve. Vous savez, quand on rêve, on voit des éléments ou des personnes de notre réalité, mais complètement déplacés. On voit par exemple nos parents, mais qui sont, je sais pas, libraires, qui font d'autres choses, notre fiancé, mais qui devient encore quelqu'un d'autre. Enfin, chacun est un peu déplacé. En fait, les rêves, c'est comme un film où les éléments de l'existence seraient complètement disposés différemment, ce qui crée, comme disait Freud, une impression d'inquiétante étrangeté. Et je voulais que tout le livre repose sur cette inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que le lecteur reconnaisse des éléments du réel, notamment des scènes de films aussi dont je me suis inspirée, que je déguise, des personnages connus comme Bret Easton Ellis, des situations qu'il aurait l'impression d'avoir déjà vues, et en même temps que ce soit complètement différemment et que ça dise quelque chose. J'espère que mon roman soit le seul à avoir un propos sur... notamment sur le réel. Je pense qu'entre les deux livres, Le manteau de Greta Garbo et Véronica, il y a une cohérence. Superficiellement, ce serait Hollywood et une figure de star, mais plus profondément, c'est cette notion de l'identité, de qui on est au monde, du double. En fait, moi, j'étais très travaillée pour ces deux livres sur la question du double et du réel, enfin particulièrement dans Véronica, la question du réel, est-ce qu'on arrive à percevoir le réel ou est-ce que le réel, finalement, on passe son temps à projeter nos propres névroses, nos fantasmes, nos rêves, on passe son temps à le déformer, à le rendre un peu justement comme un rêve éveillé. Et cette question de l'identité, dans Le manteau de Greta Garbo, était beaucoup liée aux vêtements, puisque j'interrogeais sur... j'avais acquis un vrai manteau de Greta Garbo, et je me disais, mais pourquoi je le porte? Qu'est-ce que ça veut dire de porter un vêtement? Pourquoi on a envie de revêtir la peau d'une autre? Et dans Véronica, je retravaille un peu la même question d'être à la place d'une autre femme, enfin d'une autre personne en tout cas, avec cette question du double, c'est-à-dire de constamment, d'un côté Véronica, la star des années 40, et de l'autre côté, la journaliste des années 2000, et de voir comment l'une miroite l'autre, comment elles se reflètent l'une dans l'autre, et comment, quelles sont les passerelles entre elles, jusqu'au moment où ça... L'une va être le révélateur, la journaliste va trouver la vérité de Véronica, et Véronica, même morte, à force d'enquêter sur sa vie, va révéler une vérité de la protagoniste journaliste. J'étais très inspirée par le film de Hitchcock, Vertigo, où il y a d'abord Kim Novak qui joue une femme, James Stewart la croit morte, et elle réapparaît dans la seconde partie du film, elle réapparaît dans la seconde partie du film, et elle est, alors qu'elle était blonde dans la première partie, elle devient rousse, elle est une autre femme, complètement différente, et pourtant, c'est la même. Et je me disais, si je faisais un travail comme ça, avec une femme et son double, mais que là, ce soit deux femmes différentes, dans deux temporalités complètement différentes, et pourtant, psychiquement, c'est un peu les mêmes.